collection Vita Nuova, on va dire, spéciale collection nouvelle de 2023, tirée du recueil Reflets et couchants, c'est pas Échos et reflets, comme dirait René Vévien, mais Reflets et couchants de Maurice Fouchet, avec ET. À l'aurore, déesse claire et os, de Phoebos l'accompagne, qui précède ses pas, toi dont les cheveux d'or flottent sur la montagne en fulgurants éclats, salut blonde immortelle, à qui vont mes prières et l'ardeur de mes vœux, vers qui monte soudain, rose avant-courrière, tous les cœurs, tous les yeux, et os pur, c'est toi, des déesses aimables, la plus chère aux humains. Tu portes sur ton front les espoirs agréables des tristes lendemains. Rien encore n'a souillé ton visage et tes voiles plus brillants que l'amour. Et ta jeunesse unie, la douceur des étoiles à la gloire du jour. Tu conserves un peu des songes impossibles, vécus dans le sommeil, et ton cortège est fait des rayons invincibles de l'Orient vermeil. La divine clarté qu'annonce ta venue réchauffe les désirs. Sous ton baiser se lève une ardeur inconnue pour de nouveaux plaisirs. C'est tout un univers qu'éveille ton visage, de rires et de chansons. Le laboureur y trouve un bienheureux présage des futures moissons. Le berger retournant, faire paître ses chèvres, cherche ses chalumeaux. Et l'amant jaloux croit, au milieu de ses fièvres, que vont finir ses maux. Le guerrier fatigué, plein de nouvelles forces, court à d'autres combats. Les satyres, vêtus de feuilles et d'écorces, reprennent leurs ébats. Et la vierge songeuse, au fond du gynécée, voyant s'enfuir la nuit, quitte sa tiède couche et sourit en pensée à l'amour qui la suit. Éos clair, Éos d'or à la rose caresse, entends mon chant pieux. Daigne amollir le cœur et rends-moi la tendresse de Naïs aux yeux bleus. Tiré du recueil Reflets et couchants de Maurice Fouchet et choisi par ma belle petite Vita Nuova, qui je rappelle est un titre de Dante. Et figure-toi que du ciel est tombé, du ciel de 2022, est tombé un immense livre grand, il dépasse l'écran, je ne peux même pas te le montrer, grand, du Dante. Mais en italiano, italien. Donc, je pourrais te l'offrir, mais il est trop lourd pour te l'envoyer même par poste. Il est trop, trop lourd. À bientôt, mais je te ferai une vidéo, je pense. Hein? À bientôt, alors. Un texte, évidemment, un livre de avant 1900. Tu t'en doutes. Est-il utile de le préciser ?